Je t'aime, tu le sais. Je t'ai porté. Pour moi, l'huile de faveur, ça représente tout simplement un des mystères de Dieu. Tout simplement parce que le Seigneur agit au travers de cette huile. Ce n'est pas l'huile même, mais c'est le Seigneur qui l'utilise en fait. Et moi, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre la faveur divine vraiment, comme son nom l'indique, l'huile de faveur. Et j'ai connu vraiment des faveurs. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais avec cette huile, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être distingué parmi beaucoup de mes amis, de mon âge et tout. Et j'ai la grâce d'avoir un séminaire, d'être promue parmi ma génération comme jeune formatrice en communication radiophonique avec des Français. Et je crois que Dieu fait les grandes choses, sans compter le domaine de la santé. Il a régulé un problème que j'avais, mais depuis que j'ai commencé à utiliser de faveur, le Seigneur a permis que ma santé revienne en bon point. Donc, je crois qu'avec la foi, le Seigneur nous fait des grandes choses dans cette huile de faveur, vraiment. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Bon, pour moi, ça représente une défense pour mes problèmes, mes difficultés et une protection. J'avais un mal vraiment au niveau du bas-ventre qui était constamment. Lorsque je saignais abondamment et j'ai consulté le prophète. J'ai acheté l'huile de faveur. Au moment où je ressentais le mal là, j'appliquais ça sur mon bas-ventre et depuis lors, je n'ai plus ressenti ce mal et je ne saigne plus abondamment. Merci. Remède. Ça c'est le remède. Ça c'est vraiment le sang de Jésus. Et c'est qui m'a guéri toutes les maladies du monde. Maintenant, tu vois comment je brille déjà. C'est par rapport à ça. Je suis même déjà emballée dans le sang de Jésus par rapport à ce petit thé. J'envoie même déjà en France, j'envoie même déjà tout le village, même. J'achète, j'envoie. Parce que je leur dis qu'avec la petite bouteille, si on ne blague pas. Ça, c'est la vie. Arrêtement, on ne blague pas avec la petite bouteille ici. Voilà, au lieu de donner des faveurs, c'est d'avoir pour moi comme un miracle, comme une de protection et de blindage pour moi. Et non seulement, je l'ai fait pas pour espérance, parce que mon petit neveu avait un problème de blessure au niveau de sa cheville. Il ne me l'avait pas parlé. C'est quand il va se laver, au retour, un matin, comme je le vois couché sur le lit de ma, c'est comment, où vient la blessure. Il m'a dit que non, maman, il ne connaît pas, il n'a pas une idée. Directement, avec la présence du Saint-Esprit m'a dit, bon, va prendre ton lit de faveur. J'ai plus de faveur, j'ai imprégné sur la blessure. Le lendemain matin, quand je regarde, ça avait déjà un peu séché. Deux jours plus tard, je n'ai plus vu la blessure. Donc, j'ai rendu grâce à l'Éternel. Je peux dire que depuis que j'ai connu l'huile de faveur, que j'ai utilisé l'huile de faveur, il y a beaucoup de petites maladies dans le corps que je n'ai plus jamais utilisé le remède à l'hôpital. C'est-à-dire quand je sens un mal, j'utilise l'huile de faveur, ça finit. Et sous mes enfants aussi, dernièrement, il y a ma fille qui est étudiante. Elle était enceinte. Et elle m'a appelé que maman, je suis à l'hôpital. Elle me dit qu'elle a commencé à serrer les os. Elle est arrivée à l'hôpital, on l'a hospitalisée. Je suis parti, j'ai pris l'huile de faveur, j'ai pris le ON et mon mouchoir ON. Arrivée là-bas, elle me dit que elle a commencé à saigner les os à la maison. Elle a appelé, on lui a demandé d'aller à l'hôpital quand elle est partie. Mais elle ne sentait pas les contractions venir. On a dit que le col était ouvert et on va provoquer l'accouchement. Même comme la grossesse n'était pas encore à terme, c'était moins de 8 mois.
Et je suis allé la trouver, la perfusion amène me disait que on a dit que le produit qu'on injecte dans la perfusion là, ça va provoquer les contractions et elle va travailler au trou pendant 5 heures de temps avant d'accoucher. Et quand je suis arrivé, la perfusion était déjà en train de traverser le milieu. On causait comme on cause comme ça, il n'y avait pas de problème. J'ai donc sorti ma bouteille d'huile de faveur, j'ai prié, je lui ai fait avaler quelques gouttes et j'ai frotté au ventre en priant le nom de Jésus-Christ. Nous sommes restés là, en train de causer encore. Après, elle a commencé à sentir les gestes, ça a accéléré. Mais on est venu me mettre dehors, que je ne peux pas toujours rester auprès d'elle. Et ensuite, elle a accouché dans les bonnes conditions. Amen. Tu es mon chama, tu es mon chama. Pour moi, représente une huile sainte. Mm-hmm. Pour moi, c'est une huile sainte qui a beaucoup plus de vertus qu'on ne peut l'imaginer. Mm-hmm. Moi, j'ai été très malade. J'ai eu l'infection pulmonaire, l'hépatite, le cancer de l'utérus et l'infection au rein droit. C'est là où j'ai connu Réma et l'huile de faveur. J'ai été connectée par la grâce. J'ai expérimenté ça. Je suis en forme maintenant. Je remets les talons. Après la maladie, parce que le cancer, ça explosait, ça sortait comme les vermicelles de Panzanie, le cancer de l'utérus. Après le cancer, ma peau a commencé à exploser au niveau des pieds. Donc c'était comme des pustules, quoi. Uh-huh. Il fallait que je passe l'huile de faveur parce que j'avais plein de cicatrices aux pieds. Dès que ça explosait, le pus sortait, 2-3 jours, je mettais l'huile de faveur et tout est revenu dans la normale comme ça. Comme ça que j'ai retrouvé ma santé. Moi, je bénis le Seigneur Tout-Puissant qui m'a fait connaître l'huile de faveur et qui m'a fait connaître sa grâce. Merci. Moi, l'huile de faveur, c'est comme, je sais pas comment dire, c'est comme un ange gardien, parce que quand je mets ça à la maison, il y a certaines choses qui ne passent plus chez moi, comme les souris. Et quand vous avez la foi aussi, avec l'huile de faveur, c'est miraculeux, sincèrement, c'est miraculeux. Moi, la première fois que je viens, je prends l'huile de faveur. C'est vrai, je n'ai pas encore témoigné. J'ai eu quelque chose qui m'était arrivé. Je suis rentré à la nuit de flamme du matin. Je me suis lavé, je me suis oint de cette huile. Bon, j'ai suivi comme si quelque chose marchait là au niveau du cou. Mais quand j'ai fait quoi, je ne voyais rien. Mais quand je suis allé au travail, je me suis relavé, j'ai remis cette huile-ci que vous voyez. Maintenant, étant sous la pompe, j'ai encore ressenti comme si quelque chose marchait. Mais maintenant, quand j'ai tapé, c'est un asticot vivant qui est tombé. À travers cette huile de faveur, il ne faut pas blaguer avec ça. C'est très important. Voilà, c'est sincère. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Avec cette huile de faveur, ça m'a donné des miracles. Ça a brisé les esprits de rejet, ça a brisé les esprits de maladie. Ça a même guéri les amis malades qui étaient malades, ils m'ont appelé, j'ai prié pour eux. Je les ai mis ça. Ça vous m'a donné la délivrance. Moi-même également. Il y avait les esprits de rejet et tout le monde me rejeta et ça ouvrait vraiment les portes fermées. Donc c'est une huile vraiment de miracles, ça fait vraiment des miracles. Et je conseille à tous les jeunes, que ce soit jeunes, parents, vieux, de vraiment utiliser cette huile. Ils verront la main de Dieu sur cette huile. Donc c'est tout ce que je peux les demander. Merci. J'utilise cette huile depuis longtemps, c'est parce que c'est un miracle, c'est l'huile. Donc toutes les paroles que le prophète prophétise, ça s'accomplit à partir de cette huile. Donc quand vous amenez même au village, je suis parti une fois, il y avait une femme qui avait des difficultés d'accoucher. J'ai pris ça, j'ai fait boire un peu, quelques gouttes dans la bouche de la femme. L'autre, elle a mis sur sa main, elle a mis sur son ventre et l'enfant est sorti sans difficulté. Même qui est à côté de moi là, elle a les violents maux de tête qui prenaient toujours. À un moment, elle m'a demandé, je l'ai amenée ici pour qu'elle vienne prendre sa bouteille. Puis à tout moment qu'elle utilise ça,
les maux de tête partent seuls. Donc moi-même, pour moi, moi j'utilise ça depuis et je suis convaincu, persuadé de tout ce que le travail que ça effectue. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis revenu aujourd'hui pour chercher une bouteille parce que ce qu'il y avait à la maison est déjà fini. L'huile de faveur accompagne seulement la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des versets dans la Bible qui disent qu'à l'époque, certains apôtres utilisaient l'huile pour faire guérir, pour délivrer, pour beaucoup de choses. Donc l'huile de faveur, c'est un accompagnement par rapport à la foi qu'on a. Parce que si on n'a vraiment pas de foi, l'huile de faveur ne peut pas avoir d'effet, n'est-ce pas? Parce que c'est Jésus-Christ qui est représenté. Moi, pour moi, c'est Jésus-Christ que je mets devant. C'est pas l'huile de faveur. Mais l'huile de faveur juste m'accompagne dans la parole et m'accompagne dans la foi et en ce que je veux. Merci, amen. Bénis le Seigneur ce soir. Cette huile de faveur a beaucoup fait les choses dans ma vie. Ma fille, elle fait terminale. Elle est juste partie au laboratoire. Elle a certains produits, c'était l'acide. Elle a bu l'acide. Elle tremblait, elle est rentrée, dit maman, je vais mourir. J'ai dit que non, n'aie pas peur, il y a l'huile de faveur à la maison. Prends ton huile, tu bois, puis tu bois. Elle a prié, elle a bu l'huile de faveur. Le matin, elle s'est levée comme si rien n'était. Et moi-même, ma vie a changé. Tout le monde me demande au quartier que c'est comment tu prends que poids, comment tu brilles comme ça, comment tu as tellement pris le poids comme ça. Je dis que c'est seulement l'huile de faveur qui a changé ma vie. Je voyage qu'avec ça partout, c'est dans mon sac. Puis, même quand je vais au village, ma mère a dit que on passe chez les marabouts, qu'on travaille sur nous. J'ai dit que non, maman, j'ai mon remède à la maison. Si je veux envoyer pour mes soeurs, envoie. Mais moi, j'ai mon remède. En partant au village, j'ai pris l'huile de faveur. Je me suis ouin, j'ai mis dans mon sac. Même les sorciers, là, je les ai salués parce que je n'ai plus peur d'eux. Avec cette huile de faveur, je n'ai plus peur d'eux. Mes petites soeurs, j'ai dit que non, moi, j'ai mon Dieu sur moi. Eux-mêmes, eux vont tomber. Je les ai salués. Je dis merci beaucoup. Faveur pour moi, ça a fait beaucoup de choses dans ma vie. Disons, ça ne fait pas très longtemps que je l'utilise. Mais la première fois que j'ai utilisé, j'avais un problème au niveau du bas, du contour de tout détail. Donc je l'ai utilisé chaque fois, j'ai appliqué deux fois. La douleur est partie complètement. Donc je ne peux pas rester sans ça. Je l'ai toujours dans mon sac, même si je voyage. Partout là où je vais, je l'ai dans mon sac. Et je rends beaucoup grâce à l'Éternel pour la famille prophétique qu'il nous a donnée, qu'il continue à les bénir et qu'il leur donne la force de toujours nous diriger sur le chemin de Jésus. Amen. L'huile de faveur représente pour moi le miracle. Parce que grâce à elle, j'ai pu comprendre ce qui n'allait pas dans ma vie. La première fois que je suis allé à Réima, c'était à Douala, en présence de père, de papa, le prophète Ferdinand. Ce jour-là, j'ai acheté mon huile, je suis rentré chez moi, je suis allé chez ma petite sœur. J'ai deux à trois projets. Le premier, c'est voyager. Pour le voyage, avant que ça ne soit, j'atteins un résultat d'ici mai. J'ai déposé les dossiers pour mon acte de naissance qui avait des problèmes depuis octobre passé. Ça a trop tourné. Les gens qu'on a déposés ensemble, ils ont leur trop s'est sorti. Moi, le mien, non. J'arrive à Réma le premier dimanche. J'achète mon huile de faveur que voici. Je rentre à la maison, je mouille. Je dors sans problème. Le lendemain matin, je me lave. Je me rouille encore, je rêve aux avant. Je me lave le matin. Je me rouille. Je me rouille. Vers 10h, je me couche. À 12h, je rêve, je songe. J'ai un projet, je veux ouvrir une quincaillerie. Actuellement, je vous mange, je n'ai pas 5 francs. Hein. Jusqu'alors, je n'ai pas encore de l'argent. Je veux ouvrir une quincaillerie, je rêve. Je suis quelque part en train de chercher un emplacement où je vais ouvrir cette quincaillerie. Secondo,
J'ai fini du dollar, je rentre sur Consamba où je suis allé vendre, je ne peux pas vendre. J'arrive en Consamba, je me lave, je me rouons encore, je rêve, je vois mon pauvre petit frère. Je suis en train de dire à mon petit frère les projets que j'ai à faire. Le petit frère me dit, ils sont en train de se moquer, mon petit frère et son ami sont en train de se moquer de moi. Il dit, de quoi est-ce que vous moquez quand je vous parle d'un projet qui me tient à cœur? Il me dit, ça ne peut pas marcher parce que nous on t'est attaché. Vous m'avez attaché comment? Donc vous êtes fier de me voir porter sur la tête chaque jour, chuter chaque jour, recommencer chaque jour. Et vous êtes fier de ça? Le second rêve, le mercredi qui suit, on m'appelle. Ma mère me fait comprendre que mon tronc s'est sorti. C'est pour cette raison que je vous dis, l'huile de faveur que vous voyez, pour moi, c'est l'huile de miracle. C'est l'huile de la prophétie. Grâce à cette huile, je sais que le changement est déjà. Il suffit que la foi soit et la gloire sera. Béni soit la maison de Yahweh. Béni soit le prophète Ferdinand. Béni soit tous ceux et celles qui travaillent pour la gloire de l'Éternel des armées. Béni soit le nom de Dieu d'Abraham et de tout le monde. Béni soit. Béni soit l'huile de faveur. Et béni soit tout le monde là-bas. Et tous ceux qui sont là à présent. Merci beaucoup. C'est toi mon sauveur. Tu es mon sauveur. L'huile représente une huile sainte qui sort fraîchement du sein de Dieu. Et parlant du témoignage, j'en ai plusieurs. J'ai par exemple le témoignage de mon frère. Il a un véhicule avec lequel il a travaillé pendant plus de 4 ans sans avoir pu épargner une somme de 100 000. Mais depuis le jour où on avait versé cette huile sur le moteur, je vous assure, il travaille et il ne part même plus au garage. Oui, donc cette huile, vraiment, c'est une huile extraordinaire. Il n'y a même pas vraiment de mots pour exprimer la valeur de cette huile. Et déjà, la somme est très misérable comparée à ce que cette huile fait dans la vie de chaque chrétien qui a eu à l'acheter. Donc, c'est une huile très merveilleuse. Ah, et mon cœur, bouillon d'amour pour toi, tu es mon yaya. Cette huile de faveur m'a fait quelque chose d'inoubliable. Ma belle-fille était dans un sommeil profond. On a essayé de la réveiller pendant 2 heures du temps. Elle ne s'est pas réveillée. Mais quand j'ai prié le Seigneur, j'ai appliqué cette huile, j'ai ouvert sa bouche, j'ai pompé l'huile de faveur ici là-bas. Après 30 minutes, elle s'est réveillée. Donc l'huile de faveur ici, vraiment, ça m'a beaucoup soulagée dans ma vie. Et j'aime cette huile de faveur et je l'aimerai toujours. Même aujourd'hui, je vais acheter. Je peux donner le conseil aux gens que vraiment, cette huile de faveur, il faut que les gens achètent ça. Parce que même ton appareil, même ta voiture, si c'est en panne, si tu as la foi, tu appliques ça sur ça, ça va démarrer. Pour tout faire dans ma vie, dans la vie de mes enfants et même mes voisins qui sont malades, quand je prie, j'applique ça sur eux et ils sont guéris. Même les souris qui me dérangeaient ne me dérangent plus. Même dans mes toilettes, je les verse et j'asperge en faisant bien sûr la prière et je trouve mon résultat. Ceux qui peuvent acheter, ce que je peux leur dire, c'est je les conseille d'acheter régulièrement. Quand ça finit, il faut en acheter, puisque c'est un chasse-mal. En grosso modo, chasse maladie, chasse démon, ainsi de suite. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, c'est toi mon papa. Je suis allé au Mont Kolopamba cette année, en décembre. Bon, c'est alors là-bas que j'ai su l'huile de faveur et j'ai payé cela. Quand je partais en Kolopamba, j'étais tensionné. Je puissais au moins 5 litres par nuit, 5 litres d'urine par nuit. Mais depuis que j'ai commencé à boire ça,
à l'entrée de mon Kolifamba, je ne puissais même, je puissais normalement depuis ce temps-là. Bon, hier, c'était même dimanche, mardi passé, réunion de bienfaiteurs à Itouamekhi. Bon, le pasteur est venu sur moi, il a prié sur moi, il m'a dit que sans cette huile qu'il a versée sur moi, je devais être hospitalisé ce mois-ci. Et en venant, mon corps, j'avais la tension qui montait et ça chauffait le corps. Dès que lui s'est versé sur moi, depuis hier là, je ne sens plus la tension. Ça a baissé complètement. Donc je ne peux pas dire que l'huile-ci, c'était une huile miraculeuse. Ouais. Dans Réma, quand vous payez ça, je ne peux pas marcher sans ça. C'est devenu mon ami intime partout là où je vais. Je ne peux pas marcher sans ça. Sinon, j'ai déjà aidé beaucoup de gens aussi avec ça. Merci. Et ils ont témoigné. Vraiment, ça a fait beaucoup de miracles à ma vie. Surtout dans mon ménage, par rapport à mes enfants, par rapport à mon bailleur. Parfois, j'avais des problèmes tellement avec mon bailleur pour la location. Mais parfois, quand il venait ici, je priais et je me oignais avec cette tuile et je trouvais la solution. J'avais vraiment la solution. C'est pour ça qu'à travers cette tuile, j'ai amené plusieurs personnes ici, comme elle aussi. Merci. They are.